Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour LudiWorld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier chapitre du Trône de Fer JCE. Ça s'appelle Prendre le Noir, donc c'est un paquet de 60 cartes et vous avez 20 cartes différentes à l'intérieur. Donc moi je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Alors bon, je les ai déjà vues quand même un petit peu avant, mais je me suis pas penché dessus spécialement. J'ai pas encore essayé de les intégrer à mes decks. Donc je vais lire les cartes en même temps que vous, on va découvrir ensemble, en espérant que ça vous soit utile. Alors on va démarrer par la première carte, c'est une carte de la garde de nuit, c'est Will, un personnage qui coûte 4, 3 de force, il a l'icône militaire intrigue, il a le trait patrouilleur, il a comme capacité furtivité, perspicacité, donc plutôt pas mal quand même au niveau de sa force et capacité. En réaction forcée, après avoir perdu un défi non opposé, on sacrifie un personnage patrouilleur que l'on contrôle. Donc voilà, c'est le petit défaut de la carte, parce qu'elle a quand même des stats assez intéressantes, je trouve. Hop, on va passer à la deuxième carte. C'est un événement garde de nuit qui n'est pas loyal, contrairement à Will qu'on vient de regarder. Ça s'appelle la garde manque de bras, c'est une action, on nomme un trait, soit bâtisseur, soit intendant, soit patrouilleur, on cherche n'importe quel nombre de personnages ayant ce trait parmi les X premières cartes de votre deck et on les ajoute à sa main. Donc ça va permettre de piocher potentiellement beaucoup de cartes. X est votre valeur de réserve, donc c'est la petite valeur en bas à droite des complots. Donc on peut piocher pas mal de cartes, enfin on va avoir la possibilité de regarder pas mal de cartes du dessus de son deck si on a une réserve qui est importante, et on va pouvoir choper toutes les cartes du trait qu'on a nommé. C'est un bon petit tuteur, moi ça me... Bon, je suis pas expert à Game of Thrones, mais ça me paraît dans un deck dédié relativement intéressant. Donc ça c'était les deux cartes de la garde de nuit, on va passer maintenant aux cartes des Stark. Je vais dézoomer un petit peu la caméra, voilà. C'est le maître Luwin, c'est un personnage qui coûte 3, 2 de force, il a l'icône intrigue et pouvoir, il est non loyal, tant qu'on contrôle Rob, il gagne perspicacité, lorsqu'on contrôle Jon Snow, il gagne furtivité, Bran Stark, il gagne immunisé contre les effets de complot des adversaires. Et Rickon Stark, il gagne pillage. Donc c'est un petit personnage 3-2 de base, mais qui a quand même l'icône intrigue, avec la possibilité d'être boosté suivant les autres personnages que vous avez sur table. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais, moi je trouve. Il a pas vraiment de gros défauts, si ce n'est un coup peut-être éventuellement un petit peu cher pour ses statistiques de force de base, mais bon, pourquoi pas. La carte d'après, c'est un attachement qui est non loyal, ça coûte 1. C'est Lady, elle a le sous-type loup-garou. On peut le mettre sur les personnages Stark uniquement, c'est un attachement condamné. C'est-à-dire que si le personnage est détruit, l'attachement ne remonte pas dans la main, il va à la poubelle. Hein. Le personnage attaché gagne 2 de force, on peut payer 1 d'or pour attacher Lady à un personnage différent. Et si ce personnage attaché est Sansa, on la redresse. Donc c'est plutôt pas mal. La carte d'après, c'est un personnage non loyal. C'est Chevalier de la Treille. C'est un personnage Tyrell. 1 de force pour 2 en coup avec les icônes militaires et intrigues. Les traits, c'est Maison Redwyn, Chevalier. En action de défi, on peut payer 1 or pour choisir un personnage Maison Redwyn participant à ce défi. Et jusqu'à la fin du défi, le personnage en question gagne plus 1 de force, limité à 3 fois par phase. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt pas mal pour un petit personnage qui coûte seulement 2. Ça permet d'optimiser un petit peu l'or non utilisé. Puis ça rentre dans ce qu'on a vu dans le corset avec les Tyrell, à savoir une particularité de se booster en force. C'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment pas mauvais pour une petite carte, moi je trouve. Alors la carte d'après, on risque de la voir relativement souvent, malgré le fait qu'elle soit loyale, encore heureux, j'oserais dire. C'est un lieu qui coûte 0, qui est immunisé contre les effets de carte, donc on ne peut pas le cibler pour le retirer du jeu, etc. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on recrute cette carte-là, on pioche 3 cartes. Donc pour 0, on pioche 3 cartes. Par contre, elle a un manus en or, ça nous donne moins 1 d'or à tous les tours.
voilà pourquoi cette carte-là est immunisée, pour pas qu'on puisse la retirer du jeu. Donc c'est plutôt pas mal, on a un piocheur gratos. Bon, après, le petit défaut, c'est qu'on perd un d'or. Bon, faudra construire autour, mais ça me paraît plutôt pas mal. Le personnage d'après, c'est Renly Baratheon, ça coûte 6. Il est tricône pour 4 de force, il est non loyal, c'est un lord du conseil restreint. On réduit de 1 le coût du premier personnage non Baratheon qu'on recrute à chaque round. Donc bah, c'est pas mal si on fait un deck avec une autre maison. Et comme c'est un non loyal, bah, ça peut être une bannière Baratheon. C'est plutôt pas mal. Alors, un petit peu cher ceci dit, donc je sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça. La carte d'après, c'est le marteau de guerre du roi Robert. C'est un attachement qui coûte 2. Le personnage attaché gagne plus 1 de force. Et en réaction, après avoir gagné un défi auquel le personnage attaché participe en tant qu'attaquant, on choisit et on incline jusqu'à X force de personnage, X étant la force du personnage attaché. Ensuite, sacrifier le marteau de guerre du roi Robert. Donc ça peut être dévastateur. Si vous le mettez sur un personnage fort, vous pouvez derrière engager les personnes adverses. Et vous mettez ça sur Robert qui se booste en force, donc vous avez un effet démultiplicateur qui est assez intéressant. La carte d'après, elle est très 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 puissante, je trouve. C'est le limier. Le personnage coûte 3, il a l'icône militaire, il a l'icône de pouvoir, il a 6 de force non loyale. C'est pour ça qu'il est assez intéressant. Il a embuscade 4, donc vous pouvez le jouer rapidement dans un défi. En réaction forcée, après avoir gagné un défi auquel le limier participe, vous pouvez défausser une carte au hasard de votre main. Si vous ne le faites pas, ramenez le limier dans votre main. Donc c'est le petit défaut de la carte. 6 de force pour 3 de thunes. Heureusement qu'elle a un défaut, c'est vraiment très très fort moi je trouve. Hop, la carte d'après, c'est le carrosse de Cersei. C'est un lieu qui coûte 1, qui donne moins 1 en réserve, en valeur de réserve. Et en réaction, après être devenu le premier joueur, vous pouvez soit gagner un or, soit piocher une carte. Plutôt intéressant. Moi, généralement, alors bon, encore une fois, je ne suis pas expert, mais généralement, sauf de très rares occasions, j'aime pas être premier joueur dans ce jeu-là. Donc je sais pas si c'est si fort que ça paraît, mais bon, pourquoi pas. On démarre ensuite avec les Greyjoy, une carte loyale, et fort heureusement, c'est un lieu qui coûte 1, donc ça va rester en jeu. En interruption, quand le résultat de prise est appliqué pour un défi militaire non opposé, dans lequel vous êtes le joueur attaquant, inclinez votre carte de faction pour choisir un personnage sans attachement contrôlé par l'adversaire perdant. Au lieu d'appliquer les effets de prise habituels, tuez ce personnage. Et ben, c'est immense, immense, immense. En gros, vous attaquez en militaire, vous n'êtes pas bloqué. Normalement, c'est l'adversaire qui choisit le ou les morts. Et ben là, c'est vous qui choisissez le mort adverse. Donc c'est très, 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 très fort. D'autant plus que c'est un lieu, donc ça va rester en jeu. Et dans un deck Greyjoy, vous allez tenter de faire un deck non opposé. Donc a priori, c'est un effet que vous allez pouvoir refaire, peut-être pas à tous les tours, mais en tout cas très 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 souvent. Donc ça, c'est une power card pour moi, c'est vraiment très 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 bon. La carte, en plus, elle est très jolie, donc ouais, ça plutôt très bien. La carte d'après, je crois que c'est pas mal non plus. C'est l'essor du Kraken, c'est un complot. Donc les complots, on peut les trouver dans des affiliations à une maison. 2 en or, 8 en initiative, 2 en prise, pardon, 5 en réserve value, il est limité à 1 par deck. Et en interruption, quand on gagne le point de pouvoir après avoir gagné un défi non opposé, on gagne 2 points de pouvoir à la place. Donc voilà, on voit bien la mécanique Greyjoy se dessiner de plus en plus, c'est un deck qui va chercher à faire des défis non opposés. Donc les deux cartes que vous retrouvez pour les Greyjoy sont vraiment très très forts, je trouve. La carte d'après, on arrive au Targaryen, c'est le prince marchand, un personnage qui coûte 3, il a un défi, une icône d'intrigue, une force de 3, il est non loyal, et tant que le prince marchand a un attachement, il gagne plus 1 de force et un icône militaire. Pas vraiment de défaut, après bon, c'est pas exceptionnel, mais
Voilà, ça permet de commencer à varier les decks en targue, c'est plutôt pas mal. Hop. La carte d'après, c'est un lieu loyal, ce coup-ci, ça coûte 1. Ça s'appelle Vaes Dothrak. En réaction, après avoir révélé une carte complot, on défausse un attachement de notre main pour choisir un attachement ayant un coût imprimé inférieur ou égal, et on le défausse du jeu. Donc, si un attachement qu'a posé un adversaire vous embête, l'aide pavot au hasard, ben vous pouvez discarder un attachement de votre main et tuer un attachement sur table. Ben ça, c'est plutôt bien, hein, je trouve. Surtout que c'est un lieu, donc ça vous permet de le refaire plusieurs fois dans la partie. La carte d'après, c'est en martel, c'est fille bâtarde, c'est non loyal, ça coûte 2, c'est un personnage qui a l'icône militaire 1 de force. Et en interruption, quand la fille bâtarde ou la vipère rouge est tuée, on défausse au hasard une carte de la main de chaque adversaire. Bon, bah plutôt une bonne petite carte, c'est pas exceptionnel, mais pour 2, c'est un petit personnage. Vous allez le sacrifier sur un défi militaire perdu. Bah, ça fait son effet, je trouve. La carte d'après, c'est un plan de longue haleine. C'est un complot avec 8 de réserve value, 4 d'or, 3 d'initiative, 1 de prise. Et on ne restitue pas l'or non dépensé lors de la phase d'impôt. Et en réaction, après avoir perdu un défi, on gagne 1 d'or. Donc on va garder notre or sur ce tour-là, au lieu de le défausser à la fin du tour. Bon, c'est pas exceptionnel, je ne sais pas vraiment quoi en penser, bref. La carte d'après, c'est un événement neutre. Donc là, on attaque les cartes neutres qui sont jouables pour toutes les factions. Donc ça s'appelle Soutien du Peuple. Et en réaction, après avoir gagné un défi de pouvoir d'au moins 5 de force, donc 5 en plus de votre adversaire, on va chercher un lieu ayant un coût imprimé de 3 ou moins dans son deck et on le met en jeu. On mélange ensuite notre deck. Alors ça, c'est très très fort, je trouve. Bon, vous me direz, gagner un défi avec 5 d'écart, c'est pas non plus forcément gagner tout le temps. Mais bon, ça arrive quand même assez souvent. Et là, pour le coup, vous allez quand même tutoriser un lieu et vous le mettez gratos. C'est quand même pas mal, moi, je trouve. Hein. La carte d'après, elle est très jolie aussi. Ça s'appelle Rue des Sœurs. C'est un lieu qui coûte 1. Et en réaction, après avoir gagné un défi de pouvoir d'au moins 5 de force, on incline notre faction pour gagner un pouvoir supplémentaire. Donc, bah ça c'est pas mal, c'est moins bien que l'event d'avant. Bon, ça n'a pas grand chose à voir, vous me direz, mais non, c'est vraiment pas mal. L'avant-dernière carte du pack, c'est un complot qui est très joli aussi. C'est Mobilisation du Royaume, 6 de prise. 6 de réserve, pardon, 4 d'or, 5 d'initiative et 1 de prise. Et l'effet est, lorsqu'un défi dans lequel vous contrôlez un personnage armé attaquant, augmentez de 1 la valeur de prise de mobilisation du royaume. Donc c'est un complot qui permet une prise à 2 sous condition. Pas exceptionnel, je crois pas que ce soit exceptionnel, bon. Carte d'après, magnifique aussi. Alors c'est ici pour vous servir. 6 de réserve, 3 d'or, 3 d'initiative, 1 de prise. Et une fois révélé, on cherche un personnage maître ayant un coût imprimé de 3 ou moins dans son deck et on le met en jeu. Et on mélange notre deck. Alors ça pour le coup, c'est vraiment assez intéressant. J'ai pas vraiment regardé le nombre de personnages maîtres qu'il y avait d'intéressant à aller chercher, mais voilà, c'est une carte qui prendra de l'intérêt au fur et à mesure que d'autres maîtres sortiront, et globalement dans tous les jeux, la pioche ou les effets de tuteur, c'est très très fort, mais encore plus je trouve dans Game of Thrones, où on est limité aux simples cartes qu'on joue dans son deck pour piocher, c'est pas comme Netrunner par exemple, où on peut piocher pour une action, donc tout ce qui fait piocher, et d'autant plus tout ce qui fait aller chercher une carte spécifique dans votre deck, je trouve ça relativement fort. Donc voilà, je vais vous la faire voir droit quand même, d'ailleurs, hop. Et ben voilà, c'est la fin du premier pack, donc je vous le remontre ici à la caméra, en dézoomant, hop, 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 un petit peu, voilà, Trône de Fer, tac, tac, Prendre le Noir. Donc c'est disponible depuis quelques jours, il y en a encore, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour vous faire plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine, sans doute avec le deuxième pack du cycle Westeros. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt. Salut !